L'idée, et notamment pour les journalistes, parce que c'est à un moment donné, vous devez vous retrouver dans des théâtres difficiles, hein, on va repérer, vous avez un réseau corps, vous avez quelque chose comme ça, ça c'est une carte bancaire, ça n'a rien à voir. Et donc dedans, elle a toute la mécanique de chiffrement pour vous aider à envoyer des messages, mais entièrement chiffrés. Je fais message par message. Message par message. Donc vous allez voir, vous avez tout le site, hein, qui est là, ça c'est pour vous, et puis ça c'est pour vous, voilà. Et ça c'est quoi, c'est en fait là. Ça, c'est ce qu'on nous a présenté, c'est justement... Ce sont des tags. En fait, dedans, ici, c'est un petit jeton qui stocke 50 mots de passe libres. Voilà. Et où est-ce qu'on trouve tout ça? On doit le trouver sur les stands ici, là. Ah non, non, ça ne se trouve pas sur les stands, mais vous les avez sur Internet, ça s'appelle EVITAG et EVICARD. Hein, c'est un constructeur français qui fait ça. Et ça permet... Ça, c'est pour crypter des mails. Des mails. Si vous avez vraiment des mails secrets et puis secrets ou des choses. Comment ça fonctionne ça? Ah bah là c'est bien foutu. Ici, en fait, bon là elles sont neuves. Hein. Ici il y a un petit logiciel qui regarde mais qui est capable de lire. Il faut un téléphone NFC. Donc avec la compatibilité NFC. Vous la mettez derrière. Je veux le passe de C'est pas sorcier. Je fais C'est pas sorcier. Il me le donne mais avec le mode de lecture.